Salut à tous, ici est Playmaker et bienvenue pour cet épisode 7 de Baitimology. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, Baitimology est un format que j'ai lancé il y a un petit peu plus d'un an, dans lequel j'explique les noms d'utopies au fur et à mesure apparues dans Beyblade Burst. Vous avez les épisodes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 disponibles en playlist sur ma chaîne disponible pour tous. Et pourquoi j'ai pas fait de Baitimology depuis le mois de juin je crois ? L'explication est très simple en fait, c'est que justement je parle des nouveaux noms apparus dans Beyblade. Le problème c'est que, Gachi possède beaucoup d'évolutions de toupies, dont des noms que j'ai déjà traités. Donc si on enlève tous les noms de toupies que j'ai déjà traités, plus les noms de toupies que j'ai déjà traités dans l'épisode 6 aussi, au début de Gachi, on se retrouve avec actuellement 4 noms, donc 4 noms que je vais traiter dans cette vidéo. Donc voilà. Mais avant ça, j'allais faire un petit récap sur ce que j'ai pu dire ou écrire dans les épisodes précédents. Parce que oui, mais ça remonte à un an. J'ai fait quelques petites fautes sur certains noms que je vais corriger tout de suite. Donc, dans l'épisode 1, Baldur, j'ai écrit que Baldur avait pour nom Hasbro Baderov. C'est un nom que j'avais vu sur le wiki à Beyblade. C'est pas officiel, mais bon, le wiki anglais reste plus ou moins fiable. Mais il arrive des fois qu'il y ait des petites fautes qui se glissent. Et pour le coup, c'était le cas. Je pensais que Baderov allait sortir sous Turbo, mais elle n'est jamais sortie, et vu qu'à la base Baldur est une single layer, je ne pense qu'elle ne sortira jamais, ou voudra un putain de miracle de la part de Hasbro. Donc Baderov n'est un nom pas officiel pour le moment, donc vous pouvez l'oublier. De l'épisode 5, pour Longinus, j'avais dit dans cet épisode que je ne savais pas pourquoi Longinus avait pour motif un dragon. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Alors en fait, Longinus est une référence à Eldrago. J'explique. Dans Metal Fight, Eldrago est la première toupie, et la seule je crois, je suis pas sûr, à vérifier, à tourner à gauche. Le fait que ce soit un dragon représenté par le fait qu'il s'appelle Drago, et le L, c'est l'initial de Left, qui signifie gauche en anglais, de par sa rotation. Longinus est une référence parce que Longinus, dans Beyblade Burst, est la première toupie à tourner à gauche, elle a un motif de dragon en référence au dragon de Drago, et sa première initiale est un L, pour le L de Eldrago de Left. Voilà, c'est pour ça que c'est un dragon. Dans l'épisode 6, petite boulette, j'ai écrit que la toupie exclusive à motif de chèvre s'appelle Balor, elle s'appelle juste Balar avec un A. Voilà, c'est une petite correction que je veux faire. Et aussi, par rapport à l'épisode 6, les noms Hasbro des toupies que j'avais traitées, qu'on connaissait pas encore à l'époque, donc c'est très simple. Diabolos devient Devolos, Ashura devient Ashindra, Dragon reste Dragon, et Joker reste Joker. Voilà, donc maintenant on va traiter des 4 noms de cette vidéo. Hydra et Hydrax, ces deux noms proviennent de la même origine, l'hydre de Lerne de la mythologie grecque, une créature à 4 pattes qui possède plusieurs têtes, un peu comme Ghidorah chez les Kaiju, mais c'est un peu différent parce que c'est les têtes de serpent. Une autre créature, autre que le lion de Némée, que devait abattre Hercule durant ses 12 travaux, on coupe une tête des autres repoussés, bref, c'est une vraie merde. D'où les têtes de serpent qu'on voit sur les Kachinko chips de Hydrax et Hydra. Pegasus. Alors, est-il vraiment nécessaire de présenter Pegasus ? Directement dérivé de la constellation du Pégase, très connue, grâce à Metal Fight, puisque c'était la troupe principale du héros principal, Jinga. A noter quand même que Pegasus existait déjà avant Metal Fight, en effet dans Bakuten, on retrouve une toupie nommée Pegasus. Pegasus est le seul nom qu'on peut retrouver dans les 3 générations de Beyblade actuelles, si on exclut le fait qu'on ait une Dragoon avec 2 O dans Bakuten, une Dragoon avec 3 O dans Metal Fight dans Shogun Steel, et Dragon qui a 1 O. Apocalypse et Genesis. Le dernier livre de la Bible est le premier livre de la Bible qui définissent la destruction du monde ainsi que sa création. De par leur couleur noire et blanche représentent les ténèbres et la lumière, bref, elles sont opposées en tout point, la première est type attaque, la deuxième est type défense. Plus, elles ont un rapport avec l'astrologie, les coups spéciaux d'Apocalypse sont basés sur la fin, la destruction, voire carrément les trous noirs pour le End Blaster et le Final Blaster. Pour ce qui est de Genesis, ça, le rapport avec la création et le début, c'est tout ce qui est lié au Big Bang, d'où carrément le Big Bang Slash ou Big Bang Genesis elle-même. D'ailleurs, son anneau rouge représente plus ou moins une espèce de galaxie. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Ouais, je sais bien, il n'y a pas eu énormément de nouveaux noms hein, depuis... Peut-être que pour la saison 5, on aura de nouveaux noms, ce serait cool quand même. Peut-être qu'on aura de nouvelles exclusivités qui sortiront d'ici là. Plus qu'à attendre. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode d'ici... 6 mois peut-être, on pourra où on en est. Allez! À la prochaine!